On peut passer un seul. Bien écoutez un petit peu nos conseils. Merci à vous, Véronique. Plutôt à bientôt. À bientôt. Attends, je souffle encore un peu. On a marché vite dans le couloir. C'est vous deux, mon amour. Demi chez Sou sur France Inter. Là, j'étais avec Véronique Burteau, donc de l'ADEME, et il vient de sortir donc, ce guide du confort d'été. www.adel.fr, vous retrouvez aussi sur le site de CO de mon amour, ça devrait marcher, avec aussi un numéro azur. Et puis, j'ai reçu donc Claude, on a fait une émission spéciale avec lui, La fraîcheur sans clim. C'est un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Terre Vivante. Fraîcheur sans clim, le guide des alternatives écologiques, parce qu'on a bien compris aussi que c'était une espèce de fuite en avant et ça a réchauffé l'atmosphère, donc c'est un petit peu dément tout ça. Voilà, donc La fraîcheur sans clim, là vous avez toutes les indications, et puis donc le guide du confort d'été de l'ADEME. On a une petite minute de Jean-Pierre Raffin. Je suis pas trop chaud dans le studio, ça va très bien. Pour parler quand même de ces merveilles petits oursins. Ah, c'est une excellente nouvelle qui vient d'arriver avec la naissance d'oursins dans les Pyrénées centrales. Il faut rappeler qu'ils sont issus des ours qui ont été réintroduits en 96 et 97. Et ça fait plaisir de voir que cette opération, qui était une première en France, a réussi. Parce qu'après tout, la naissance, c'est la vie. Et on peut espérer que dans les Pyrénées-Atlantiques, il sera procédé à un renforcement avec des femelles parce que la population y est vieillissante. Et il doit y avoir actuellement 4 mâles pour une femelle. Donc c'est pas avec une démographie que la population peut se reconstituer. L'exemple des Pyrénées centrales montre que ça marche quand on s'en donne les moyens. Oui, c'est ça, c'est quand on s'en donne les moyens. Merci de le préciser. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci à Fortin et à qui était aujourd'hui à Puis on souhaite d'excellentes vacances à réaliser cette émission tout au long de l'année. Il s'est régalé avec les reportages, les mixages, c'était un vrai bonheur. Stéphane Combe nous assistait ainsi que Joël Levert. Un grand merci à Anne Gouzon. Anne Gouzon, elle crée les liens sur le site de Radio France pour notre émission, donc elle est à l'idée. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine, ce sera donc la dernière de CO de mon amour. On retrouvera Jean-Marie Paël qui devrait Nathalie Fontaine. Dans quelques instants, ça va être une jolie page de cinéma avec Rebecca Monzoni dans son émission Écoutez voir. Ah oui, c'est bien, elle reçoit Isabelle Nanty, à la fois comédienne et puis réalisatrice. On la connaît dans Tati Dernière, enfin, entre autres, elle nous en parlera beaucoup mieux. Quoi. Jean-Michel Montu qui a choisi les disques. Je vous souhaite un excellent week-end. Denis Chessou, je vous retrouve avec plaisir à 14h la semaine prochaine. France Inter, il est 15h. Les informations avec son rappel Saïd. Bonjour, en Irak, un raid à Fallujah a tué 18 Irakiens et blessé 8 autres ce matin, selon le bilan de l'hôpital.
D'après les habitants du quartier, ce serait plutôt une vingtaine de personnes qui auraient péri. Des témoins affirment qu'un avion américain a tiré deux missiles sur une maison. L'armée américaine n'a encore fait aucun commentaire sur ces informations. Fallujah est considéré comme un bastion de la résistance aux forces américaines. Au lendemain de l'assassinat de l'otage américain, l'Arabie Saoudite confirme que ses forces de sécurité ont tué par balle le chef présumé d'Al-Qaïda dans la péninsule, Abdelaziz Al-Mukrim. Trois autres islamistes auraient aussi été tués. Le groupe aurait été intercepté alors qu'il cherchait à se débarrasser du corps de l'otage américain, l'ingénieur Paul Johnson, décapité hier par les membres du réseau d'Oussama Ben Laden. Plus tôt ce matin, un communiqué attribué à Al-Qaïda avait démenti la mort d'Abdelaziz Al-Mukrim. En Birmanie, l'opposante Aung San Suu Kyi célèbre ses 59 ans aujourd'hui, seule. La Birmane, prix Nobel de la paix, reste assignée à résidence militaire au pouvoir. Un accord existe à Bruxelles, il est historique quand même. Les 5 pays de l'Union européenne ont désormais un projet de constitution, un texte de l'Union et la France, et les modalités de décision pour éviter les blocages. Si les ratifications des pays, le texte entre cette ratification va se faire avant un. Jacques Chirac n'a pas ce serait par référendum ou par le Parlement. En Alsace-Arine, plus de 120 gendarmes, pompiers et gardes-chasse ont poursuivi leurs recherches aujourd'hui. Ils ne sont pas parvenus à retrouver Jeanne-Marie. La petite fille de 11 ans a disparu depuis 20 ans. Aucune hypothèse n'est exclue pour expliquer sa disparition. Un appel à témoins a été lancé par les enquêteurs. À Melun, l'inauguration de la médiathèque ce matin a été perturbée par des salariés d'EDF. Ils ont coupé le courant pendant les discours officiels. Du côté de la CGT Mines Énergie, on affirme que le week-end des agents de l'FGDF sera plutôt peu agité, mais le syndicat prévoit d'intensifier le mouvement dès lundi. C'est un comble, le Mont Blanc est trop sale. Avec la canicule de l'année dernière, la neige a fondu et l'ampleur du problème est apparue sous la forme de tas de déchets. Les souvenirs, entre guillemets, de la présence de 20 000 personnes chaque année à l'assaut du sommet entre juin et septembre. La municipalité de Saint-Gervais lance donc une opération, la montagne à l'état pur, une campagne de nettoyage et de sensibilisation, un début, comme l'explique Gilles Imbert, le président de la compagnie de Saint-Gervais, qui est trop grandi par téléphone. Pour deux places en quart de finale. À 18h, la Lettonie affronte l'Allemagne et à 20h45, l'équipe néerlandaise se mesure la formation tchèque. Et puis le championnat de France ici. That's it. Quand on écoute
tête. Oh là. Les sentiments des personnages. C'est rarissime, même.